Vivement lundi, on retrouve tous ses amis. On pleure, on rit, le lundi. 15 novembre 2021. Alors, un coucou à tous les pilotes, à tous les copains Facebook, les lanceurs d'alerte. Alors, la palme d'honneur. Aujourd'hui, donc, tout le monde le sait, je suis informaticien. Ce pays est incapable de me trouver un travail en tant qu'informaticien. J'ai eu un appel l'autre jour pour d'un monsieur, je ne sais pas où vous avez eu mon numéro de téléphone, pour porter des trucs lourds. Donc c'est ce qu'avait dit le gars qui m'avait offert, vendu un PC à l'époque qui s'appelait Jean-Marc, je ne vais pas donner le nom de famille. Il avait dit des boulots durs, ça, des boulots de merde, il y en a toujours, quoi. Alors la palme d'honneur, aujourd'hui, donc, je suis plongé dans de, disons, des hertziennes à très haute fréquence, hein, donc ça me fait bip dans les oreilles, j'ai les acouphènes. Hein, bonjour, madame Millot. La palme d'honneur revient à EDF. Mercredi, jour du canard, il y a un courrier, deux courriers, trois courriers, quatre, cinq, six. Pour les factures, alors que le centre médico-social dit, putain, j'ai un courrier, là, je sais plus, parce que j'en ai des tas, là, je plonge, là, là, c'est, il y a eu Gaston, la gaffe, et puis après, il y a eu Philippe Stoppel. Je risque de me faire interdire. Alors voilà, donc je connaissais les attaques par Deny of Service, donc, cette... les PC piratés, donc, vont envoyer une requête à la même nanoseconde sur des grands serveurs de vente en ligne et tout ça pour saturer la mémoire en langage informatique, les serveurs tombent. Donc, je connaissais ça au niveau de, ça s'appelle aussi, des mail bombing, mais là, EDF, bleu ciel, a inventé le courrier postal bombing. Ils sont là. Alors, un coucou à la maire de notre village, Marianne Rony. Si ici, moi, Philippe Stocker au 36 rue de l'Hôtel de Ville, il y en a à me couper le courant, moi, il y en a à vous faire planter en bas un poteau. Un poteau là, d'une dizaine de mètres de hauteur pour aller alimenter derrière la borne numéricable au débit. Alors au débit, fantastique. Depuis leur ça c'est de la fibre optique. C'est de la fibre optique depuis leur serveur qui depuis leur truc là. Il n'est même pas sécurisé par des onduleurs, c'est-à-dire si vous avez du SFR numérical en cas de d'orage ou un truc comme ça, ouf, ça tombe, et comme ils sous-traitent, vous avez de nouveau la télévision pendant 5 à une semaine après. Donc le mieux, c'est la paire tour salée de France Télécom, l'opérateur historique, mais là, on va couper pour l'empaillement. Donc là, c'est 5G, bip, dans les oreilles, bip. Je suis vraiment du dos là, les pseudo-experts psychiatres. Un coucou à Jean-Louis Tacomo, docteur Laurent Alexandre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même un peu beaucoup pour quelqu'un qui est qui vit tout seul, qui doit se faire le linge, qui doit se faire à manger, qui doit... Et alors, il y avait donc le médecin Albert Bouer, un psychanalyste qui m'avait sauvé, qui à l'époque m'avait dit on peut avoir peur d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il sentait très probablement que j'étais capable d'en gagner beaucoup. Et bien entendu, il faudrait que je mette à mon compte. Mais pour ça, 60 ans, avec l'ostéoporose, les machins, le genou qui est déglingué, j'ai en attente de semer l'orthopédique pour 50 euros, la CPAM est tard. Je ne vais quand même pas prendre ce risque, surtout que j'ai déjà donné en 2009. On n'a même pas encaissé le moindre euro, vous avez déjà le SMICTOM devant la porte.
They want money. Vous n'avez même pas encore un euro. L'État veut déjà du pognon. Mon père disait, mais je fais quand on m'a emmené qu'une seule fois. Deux fois pas. Deux fois pas. Donc, tous ceux qui me harcèlent, EDF, Bleu Ciel, les syndicats, le service, SDEA, des eaux, vous me filez un travail, je vais pouvoir vous payer. Vous ne me filez pas de travail, si vous me coupez, moi, il y en a, vous faire planter un poteau, là derrière. Allez, attention le dos, attention le genou. Ah, là, les petits catégories internet.